Salut et bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Moi, je suis Jill et je serai votre présentatrice, votre animatrice d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons découvrir plus sur la crabe des neiges et de la biologie du monde qui nous entoure avec une invitée très, très spéciale. Merci d'être avec nous pendant les prochaines 40 minutes. On a notre invitée spéciale avec nous ce matin, Sarah Loboda, une scientifique exceptionnelle. Vous pouvez nous envoyer des questions et des commentaires en direct. Nous, on adore la discussion ici et surtout, Sarah a hâte de recevoir vos questions. On est ici aujourd'hui grâce à Exploring by the Seat of Your Pants, qui fait vivre la science, l'exploration, l'aventure et la conservation dans les salles de classe grâce à des conférenciers invités virtuels et des visites sur le terrain avec des experts du premier plan du monde entier. Mieux encore, ce qu'ils font est et sera toujours gratuit pour les salles de classe autour du monde. Et avec ceci, on passe directement à notre invité spécial. Prêtez bien attention, car vous aurez l'occasion de lui poser des questions dans quelques minutes. Sarah Loboda est une biologiste chez Pêche et Océan Canada depuis près de 2 ans, dans la section des sciences de l'Institut Maurice Lamontagne à Rimouski, au Québec. Passionnée par les animaux et la nature, elle est arrivée au Québec en 2004 pour faire un baccalauréat en biologie. Elle a développé un intérêt pour les invertébrés, excusez-moi, qui l'a poussée à faire une maîtrise sur les araignées du Grand Nord canadien et un doctorat sur les mouches du Groenland à l'Université de McGill à Montréal. Depuis la fin de son doctorat, elle a eu la chance de travailler sur le crabe des neiges et l'estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent dans une équipe formidable. Maman de 4 enfants, elle est toujours partante pour de nouvelles aventures en vélo, en ski ou même sur une piste de roller derby. Oh là 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 là. Alors, Sarah, bienvenue chez nous. Bonjour, merci beaucoup Bonjour. de me recevoir. Merci Gilles pour la présentation. Ça fait un plaisir. On a plein de salles de classe avec nous aujourd'hui et on a hâte de découvrir un peu sur votre présentation. J'avais affiché ça sur l'écran et je vais dire, c'est à vous. Merci Gilles. Bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Je vais pour vous parler un peu de mon parcours et de mon travail au ministère des Pêches et Océans Canada. Donc, ça va être, je vais voir, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Donc, ça en fait, je vais vraiment la présentation. J'ai tendance à parler beaucoup, fait que j'espère que ça. Je vais quand même vous laisser beaucoup de temps pour des questions à la fin. Je vais surtout vous parler de mon parcours parce que vous allez voir, c'est assez, c'était tout à fait inattendu, mais je pense que j'ai toujours pas encore vu la fin de mon parcours non plus, je pense. Et mais c'est assez exceptionnel. Là, aujourd'hui, je vous parle de Rimouski au Québec, mais moi, j'ai grandi dans le nord de la France, à côté de la Belgique, avec 2 sœurs, un frère. Mes parents aimaient beaucoup nous emmener à la plage, donc la plage la plus proche quand on est dans le nord de la France. Donc la carte est toute petite, je ne sais pas si vous voyez. La plage la plus proche, c'est vraiment sur le bord de la mer du Nord, ce qui est la mer entre la France et l'Angleterre. On allait mettre les pieds dans le sable, on allait trouver des coquillages et probablement que sur cette photo-là, donc moi je suis la deuxième en rose, là, sur cette photo-là, je dois avoir à peu près votre âge et j'ai toujours su que je voulais travailler avec les animaux. Et mon animal préféré à l'époque était le koala en Australie. Et donc, arrivé à 17 ans, tous mes amis savaient ce qu'ils voulaient faire. Moi, je savais juste que je voulais travailler avec les animaux. Et quand je disais ça à un conseiller d'orientation, on me disait, mais il faut que tu deviennes vétérinaire. Moi, ça ne m'intéressait pas de devenir vétérinaire. Je ne voulais pas travailler avec des chats, avec des chiens ou travailler sur une ferme. Je voulais vraiment travailler avec les animaux, mais les animaux dans les animaux sauvages. Alors, on m'a dit, il faut que tu ailles à l'université pour étudier la biologie. Je pense que c'est parfait, mais les universités en France,
Imaginez, vous devez être dans une classe avec une trentaine de personnes, vous avez une trentaine d'amis, mais en France, les classes à l'université, c'est des centaines et des centaines de personnes. Et je me disais, mais c'est pas fait pour moi, je vais étudier les animaux parce que je veux pas être avec des centaines de personnes, justement. Donc, j'étais un peu perdue. Je savais que je voulais étudier la biologie, mais pas, je savais pas où, jusqu'à ce qu'on me présente dans un salon, en fait, un salon étudiant avec beaucoup, beaucoup d'écoles en France, mais aussi un peu partout dans le monde. Je suis tombée sur une madame qui m'a présenté les universités ici au Québec. Et elle m'a dit, écoute, il y a une université qui est spécialisée en biologie, biologie marine aussi, l'Université du Québec à Rimouski. Donc, ça sonnait très exotique dans mes petites oreilles de 17 ans parce que j'avais jamais voyagé. Et elle me disait, les classes sont toutes petites, il y a beaucoup de terrain, tu vas aller sur le terrain, tu vas aller voir les plantes, les animaux, mais tu vas faire aussi beaucoup de laboratoires. Et là, j'ai été charmée. Et donc, quelques mois après, j'ai eu mes 18 ans, j'avais mon billet d'avion en poche, et là, je suis partie pour la grande aventure. La grande aventure parce que j'avais jamais voyagé, j'avais jamais pris l'avion, je ne connaissais personne au Canada, je débarque fraîchement avec ma belle majorité de 18 ans au Québec, à Rimouski. Donc, j'ai traversé l'océan et je suis arrivée à l'Université du Québec à Rimouski pour faire un baccalauréat. Donc, c'est le premier diplôme que l'on peut obtenir à l'université en biologie. Souvent, ça prend 3 ans. Et moi, ça m'a pris 4 ans parce que j'ai eu de la misère à m'adapter au début, hein. J'arrivais, c'était un nouveau pays, tout était nouveau. Donc, mais en fait, le fait d'avoir pris plus de temps pour faire mes études, j'ai pu en profiter pleinement. Et j'ai, à la fin de mon baccalauréat, j'ai fait un petit projet de recherche sur les araignées du Marais salé de Rimouski. Donc, en face de l'université du Québec à Rimouski, il y a un marais salé où je suis allée ramasser des araignées et je voulais voir quelles espèces on pouvait retrouver dans ce marais salé-là. Les espèces, je dirais, c'est un peu comme les Pokémon. Ils sont toutes différents, ils ont toutes des pouvoirs différents, sauf que les araignées, c'est pas comme les Pokémon. On ne peut pas seulement les regarder pour savoir c'est quelle sorte. Il faut, des fois, ils se ressemblent beaucoup. Et ce qu'il faut regarder pour savoir c'est quelle espèce, en fait, il faut regarder chez le mâle, donc les araignées qui sont les araignées papa, en fait, les mâles. Et donc ici, en haut, je ne sais pas si vous voyez la belle araignée verte avec les grands yeux verts, là, c'est une araignée sauteuse. Et les petits bras qu'on retrouve en avant de sa bouche, si c'est un mâle, deviennent comme des gants de boxe. Ils se gonflent et il y a une structure qui se développe, une structure en 3D comme ça qui se développe. C'est un peu comme une clé et qui a une forme unique. Et là, on fait un grand jeu de cherche et trouve organisé par la nature. On regarde cette structure-là et on va essayer de trouver le dessin qui a été dessiné par un taxonomiste qui a dit ce dessin-là, cette structure-là, c'est cette espèce-là. Et donc ici, l'espèce de tourbillon que vous voyez ici dans l'image en bas à gauche, c'est le palpe d'un mâle de l'espèce Agelenopsis utahana, une espèce qu'on retrouve ici au Québec. Et donc, ce grand jeu de cherche et trouve m'a permis en fait de découvrir la grande diversité de couleurs, de formes, de fonctions des araignées. Même ici au Québec, en fait, on n'a pas besoin d'aller dans les pays tropicaux pour avoir une grande diversité. Et j'ai trouvé ça fantastique. Je suis tombée en amour avec les araignées. Et vous voyez ici, en fait, en haut à droite, ce n'est pas moi, c'est Chris Buddle. C'est un arachnologiste qui m'a appris à bien regarder les araignées pour trouver les espèces. Et c'est lui qui va me proposer de faire un projet de recherche. Donc, la recherche, c'est quoi? C'est quand on se pose des questions en science et qu'on essaye d'y répondre, on essaye de monter des expériences, de trouver les données pour répondre à ces questions-là. Et après ça, on écrit des textes pour partager nos découvertes au reste du monde scientifique. Et donc, c'est grâce à ce projet-là que j'ai commencé à avoir un pied en recherche, mais que j'ai commencé à avoir un pied en recherche surtout sur les arthropodes. Les arthropodes, c'est quoi? C'est des invertébrés, donc qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui ont un exosquelette. Un exosquelette, c'est quoi? Comme ils n'ont pas de colonne vertébrale, ils ont le squelette à l'extérieur. C'est la peau qui est dure, comme une armure. Et pour grandir, ils ont besoin de muets. J'imagine que vous avez déjà vu des muets de serpents.
Et chez les insectes, chez les araignées, c'est la même chose. S'ils veulent grandir, il faut qu'ils fassent des mues qui changent de peau. Et donc, pour ça, ils vont craquer la peau qu'ils ont actuellement, la peau dure. Ils vont la craquer, ils vont sortir de là tout blanc, tout mou. Ils vont se gonfler d'eau pour atteindre une plus grande grosseur, je dirais. Et après ça, la peau qui est molle au départ va se redurcir et va redevenir une armure, la nouvelle armure pour les prochaines semaines ou les prochains mois avant la prochaine mue. Et qui ont aussi, les arthropodes sont aussi des invertébrés qui ont un corps qui est segmenté. Donc, par exemple, ici, chez l'abeille, on voit que le corps est segmenté en trois. Donc, chez les insectes, c'est ça qui se passe. Il y a la tête avec les yeux. Il y a ce qu'on appelle le thorax, donc la deuxième partie, du corps, on va retrouver les pattes et les ailes quand c'est des insectes qui ont des ailes. Mais aussi, l'abdomen avec le restant des organes. Et donc, ce grand monde des arthropodes, je l'ai découvert à la fin de mon baccalauréat, mais ça va m'amener à faire de la recherche sur les araignées. Et là, ce n'est pas les n'importe quelles araignées. Comme vous le disiez, Jill, au début, je suis allée étudier les araignées dans le Grand Nord canadien. Parce qu'au Canada, on est vraiment chanceux. On a 40% du territoire qui est dans le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a en haut d'une ligne, je dirais pas une ligne imaginaire, mais une ligne où, à passer cette ligne-là, on n'a plus d'arbres. Vous imaginez, là, dans le grand, grand nord, il n'y a plus d'arbres, donc comme sur la photo en haut à gauche. Et ça veut dire qu'il y a des communautés, qu'il y a des gens au Canada qui vivent qui n'ont jamais vu d'arbres. Mais ça représente une très grande partie du territoire au Canada. Et en fait, le projet de recherche qu'on avait avec d'autres étudiantes et étudiants à la maîtrise, au doctorat, mais aussi d'autres chercheurs, c'était de voir quelles espèces on retrouvait dans le Grand Nord ou puis pourquoi c'était différent d'une place à l'autre. Et en fait, toute cette grande équipe-là, en fait, est allée dans 12 places différentes, donc que ce soit dans les territoires du Nord-Ouest, au Yukon, en Alberta, même en Ontario, dans le nord de l'Ontario, le nord du Québec. Et moi, j'ai eu la chance d'aller au Labrador, dans le nord du Québec, mais aussi ici, sur la carte, sur l'île d'Ellesmere. L'île d'Ellesmere, c'est une grosse île qu'on retrouve tout en haut de l'archipel de l'Arctique canadien, qui fait à peu près la taille de l'Angleterre, qui est proche du Groenland, comme vous pouvez le voir. Et en fait, tout en haut, il y a un lac immense qui fait 70 km par 11 km, qui s'appelle le lac Hazen. Et j'ai campé là pendant 2 semaines pour attraper des araignées. Et fait que là, ça a été, j'étais tombée en amour avec les araignées. Et là, je suis tombée en amour avec l'Arctique. Les paysages sont incroyables. On est tellement chanceux au Canada d'avoir cette richesse-là. En fait, c'est riche dans les paysages, mais c'est pas riche en termes de nombre d'espèces. Parce qu'en fait, à partir de l'équateur, plus on monte vers le nord, puis c'est vrai aussi vers le pôle sud, mais plus on monte vers le nord, moins on va retrouver d'espèces animales, d'espèces végétales. Et en fait, le lac Hazen, il est tellement haut dans le nord du Canada qu'on retrouve juste une espèce de poisson dans ce lac-là, qui est l'omble chevalier. Et en fait, moi, proche de ce lac-là, j'ai juste trouvé une dizaine d'espèces d'araignées sur les 1300 qu'on retrouve au Canada. Et donc, ce projet-là, en fait, m'a permis de rencontrer plein de gens formidables, de visiter le Canada d'une façon que j'aurais jamais pu le faire sans faire de recherche. Mais aussi, j'ai pu regarder 28 000 araignées avec ma loupe binoculaire, donc faire le jeu de cherche et trouve de la nature pour 28 000 araignées. Donc là, les 3 années de ma maîtrise ont été, j'ai été comblée, j'ai été très heureuse. Et là, comme j'étais tombée en amour avec l'Arctique, je voulais continuer à faire de la recherche sur l'Arctique et on m'a proposé un autre projet de recherche. Donc, quand j'ai terminé ma maîtrise, j'ai fait ce qu'on appelle un doctorat, qui est le diplôme juste après la maîtrise. Donc, on a un baccalauréat, on a une maîtrise, et après ça, on a un doctorat à l'université. Et là, on m'a dit, tu vas travailler sur les mouches. Pourquoi? Pourquoi les mouches? Parce que l'Arctique, en fait, oui, il y a beaucoup d'araignées, mais il y a surtout, surtout, surtout des mouches. Donc là, vous pouvez voir sur mon capuchon, c'est qui est rempli de moustiques. Et ça, c'est pas une journée exceptionnelle en Arctique, c'est une journée tout à fait normale en Arctique. Et donc, on m'a dit, écoute, Sarah, toi, ce que tu vas faire pour ton doctorat, c'est d'étudier les effets des changements climatiques sur les mouches au Groenland. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez parlé des changements climatiques dans votre classe, mais
c'est les activités humaines un peu partout dans le monde, donc le transport, les usines, relâche des gaz qui fait augmenter la température de la planète. Depuis quelques dizaines d'années maintenant, mais ça s'accélère. Et aussi, ce n'est pas égal. On n'augmente pas la température de la même façon sur toute la planète. La température augmente beaucoup plus vite en Arctique et en Antarctique, donc les deux pôles de la planète. Et donc, les effets sont beaucoup plus marqués dans ces écosystèmes-là aussi. Et ce qu'on m'a proposé comme projet de recherche, c'est un peu une machine à retourner dans le temps. Je vous explique. En fait, quand j'avais 10 ans, donc quand j'habitais encore en France, il y a des chercheurs du Danemark, donc des chercheurs danois, qui sont allés dans une vallée dans le nord du Groenland en été, avec l'idée en tête d'aller là pour essayer de comprendre les écosystèmes arctiques. Parce que là, il n'y avait pas de communauté qui vivait là, donc il n'y a pas de pêche, il n'y a pas d'activité humaine. Il voulait vraiment comprendre les interactions entre les animaux, les plantes, mais aussi le terrain, la topographie. Donc, et ils ont continué à faire ça année après année, été après été, à aller là et à aller ramasser notamment des insectes, les mouches, les araignées aussi, année après année. Donc, moi, quand je suis arrivée à mon doctorat en 2014, il y avait ramassé les insectes et les araignées tous les étés entre 1996 et 2014. Donc là, je pouvais vraiment regarder qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce qu'on avait eu des nouvelles espèces de mouches? Est-ce qu'il y a des mouches qui ont disparu? Est-ce qu'ils sont dans la même abondance? Est-ce qu'ils sont actifs au même moment? Donc il y avait plein, plein, plein de questions de recherche que je pouvais répondre avec cette collection-là. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller au Groenland pour répondre à cette question-là. J'ai eu besoin d'aller au Danemark où les insectes qui étaient ramassés année après année étaient conservés dans l'équivalent de pots de beurre de peanuts. Un gros pot de beurre de peanuts, mais rempli d'alcool où les mouches étaient conservées. Je suis allée chercher toutes les pots où il était écrit Mucidae. Mucidae, c'est la famille des mouches que j'ai regardées. Donc, c'est la famille de la mouche domestique. Donc, comme sur la photo précédente, c'est ça, ils se ressemblent toutes, mais encore une fois, c'était un jeu de cherche et trouve avec des vieux dessins de taxonomistes. On était capable de trouver quelles espèces on retrouvait dans les pots, puis on a été capable de décrire les changements qu'il y avait eu. Et donc, même si je ne suis pas allée au Groenland, je suis allée en Arctique pendant mon doctorat pour former des jeunes étudiantes, pour apprendre à attraper les insectes, à attraper les araignées dans les milieux arctiques. Et aussi, ce qui fait partie de la recherche, c'est d'aller faire des conférences, c'est-à-dire qu'on s'en va dans 10 différentes places au Canada, un peu partout aussi dans le monde, pour parler de recherche avec d'autres scientifiques, pour stimuler la réflexion, mais aussi trouver des nouvelles questions, faire des nouveaux projets de recherche. Donc, c'était vraiment des projets très, très, très stimulants. Et donc, pour ce projet-là, j'ai regardé plus de 18 000 mouches avec ma loupe binoculaire pour faire le jeu de chercher trouve et trouver les espèces. Et donc, comme le disait Jill au début, moi, j'ai 4 enfants. Mes 4 enfants, je les ai faits pendant toutes ces études-là. Et c'est pour ça que tout a été plus long. Moi, ma maîtrise, au lieu que ça prenne 2 ans, ça a pris 3 ans. Mon doctorat, au lieu de prendre 3 ans, ça m'a pris 7 ans. Sauf qu'à la fin des 7 ans, j'avais plus d'argent, j'avais plus de financement, j'avais pas encore terminé mon doctorat, j'avais pas terminé ma thèse, et je me cherchais un petit quelque chose. Et là, j'ai une amie qui travaille chez Pêche et Océan Canada qui me dit, mais tu sais qu'il y a toujours des belles opportunités chez Pêche et Océan Canada. Là, je me dis, oui, mais moi, j'ai jamais travaillé sur l'environnement marin. Pourquoi j'irais chez Pêche et Océan Canada? Et en fait, à quelques kilomètres de Rimouski, on retrouve l'Institut Maurice Lamontagne que l'on voit ici dans la photo à gauche. C'est un institut de recherche avec beaucoup de biologistes, beaucoup de chercheurs qui étudient le Saint-Laurent, mais aussi différents systèmes marins et aussi d'eau douce à travers le Canada et un peu partout dans le monde. Et petite parenthèse, je vous ai mis aussi à droite ici une photo d'une porte ouverte. Donc, c'est un institut de recherche qu'on peut visiter à chaque année, rencontrer les biologistes, les chercheurs, les techniciens. On peut visiter les installations. Donc, ici, c'est la salle des bassins. Et on voit ici la chercheure Virginie Roy qui explique aux enfants que les recherches qu'elle fait avec la salle des bassins. Donc, je vous invite à regarder quand sera la prochaine porte ouverte parce que c'est toujours très intéressant.
Donc, je ferme ma parenthèse. Donc, c'est ça. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais apporter comme biologie. J'avais toujours étudié les insectes et les araignées. Qu'est-ce que je pouvais apporter comme biologiste? Et en fait, c'est le docteur Cédric Juillet qui m'a contactée. Cédric travaille sur le crabe des neiges. Et le crabe des neiges, c'est un arthropode comme les araignées, comme les insectes, qui a besoin de faire des mues. Donc ici, on voit les tout petits crabes et en fait qui muent année après année pour grossir et devenir des crabes adultes qui vont être pêchés dans le Saint-Laurent pour après ça être dégustés dans nos assiettes. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé. Et donc l'équipe Crabe des Neiges qui est le cœur, les bras de cette équipe-là, donc on retrouve le docteur Cédric Juillet qui est le biologiste en sciences aquatiques principales et Isabelle Lévesque, la technicienne qui s'occupe de tout ce qui est expérience dans les bassins, préparer les missions de terrain, s'assurer que les données, les dossiers, tout soit bien rangé. Donc ils gonflent leur équipe et c'était avec moi, avec d'autres personnes aussi, d'autres biologistes pour faire des petits projets spéciaux, mais leur mandat principal, c'est de faire une évaluation de stock. Donc ça, c'est dans le domaine des pêches, l'évaluation de stock, c'est un outil vraiment important pour faire de la conservation et de la gestion. C'est quand des scientifiques se retrouvent pour évaluer l'état des populations, donc des poissons, des invertébrés, des crustacés que l'on retrouve, pour donner le meilleur avis possible, pour aider les gestionnaires à prendre les meilleures décisions possibles pour la pêche, donc quand ils établissent quelle quantité de poissons les pêcheurs peuvent prendre. Mais tout ça dans une optique de gestion durable. Pourquoi? Parce que chez Pêche Océan Canada, ce qu'on veut faire, c'est pêcher du poisson, pêcher des crabes, oui, mais on veut le faire aujourd'hui, on veut le faire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Fait qu'il faut penser à ça, faut s'assurer qu'il reste toujours assez de poissons et de crabes et d'invertébrés dans le fond du fleuve pour assurer cette pêche-là aussi dans l'avenir. Et donc, on fait des évaluations de stock à l'Institut Maurice Lamontagne pour plus de 40 espèces de poissons et d'invertébrés. Et dans notre section, en fait, dans la section des sciences benthiques, benthique, ça veut dire qu'on regarde les espèces qui sont dans le fond du fleuve. On fait des évaluations de stock sur le buccin, donc qui est comme cet escargot-là marin avec une coquille en forme de tornade, mais aussi pour le pétangle d'Islande, pour le homard, pour le concombre écarlate. On utilise toutes sortes de données pour savoir dans quel état sont les populations. Parce que contrairement aux araignées, les crabes, ils sont dans le fond de l'eau, on ne les voit pas. Je ne peux pas aller les ramasser facilement. Et donc, pour faire des évaluations de stock, on utilise des données qu'on récolte pendant la pêche, mais aussi pendant des missions scientifiques. Donc ici, on voit le chalutier de la garde côtière qui s'appelle le LIME, qui est utilisé pour les missions notamment de Cédric et Isabelle, les missions Crabe des Neiges, c'est-à-dire qu'ils s'en vont à différentes places dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a un filet énorme qui se promène en fait au-dessus du fond, qui ramasse les organismes, donc comme les crabes ou les oursins qui se retrouvent sur le fond. On ramène ce filet-là à bord du bateau et on trie, on regarde qu'est-ce qu'il y a. Ça nous donne une idée de quelle quantité et puis aussi quelle diversité on a dans le fond du fleuve. Donc ici, sur la photo, vous pouvez voir, il y a du crabe des neiges, il y a aussi des oursins, il va y avoir aussi des étoiles de mer. Et là, je voulais juste vous montrer sur cette photo ici, c'est le crabe. Vous voyez la petite fente, c'est par là qu'il va faire sa mue, que le crabe, le blanc mou, va sortir avant de faire sa nouvelle peau, sa nouvelle carapace. Donc, je vais terminer là-dessus. Je pense que je n'ai pas trop parlé. Ça vous laisse quand même du temps pour des questions. Wow, merci Sarah. Enfin, j'adore ces présentations parce que moi, j'apprends plein, 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 plein de choses. Alors, j'imagine que c'est pareil pour toutes nos salles de classe d'aujourd'hui. Et c'est enfin, pour vous, votre aventure de la plage du nord de la France jusqu'à l'Arctique du Canada, ça a fait pour une histoire super captivante. Alors, merci. On a déjà plein de questions qui arrivent de nos copains et copines sur YouTube. Et on a aussi nos salles de classe qui sont là avec nous aujourd'hui. Alors, pour les salles de classe, si vous avez des questions, vous pouvez me signaler en allumant soit votre micro, soit votre caméra, soit les deux. Et comme ça, je saurai qu'il faut passer à cette salle de classe pour
vous laisser poser une question à Sarah. Alors, entre-temps, on va prendre une question de la classe de sixième année de Blessed Carlo École virtuelle qui demande une très, très bonne question. Pourquoi est-ce que les araignées ont des poils? Oh mon Dieu! Pourquoi les araignées ont des poils? En fait, les araignées se servent de leurs poils pour détecter, c'est sensoriel. Je ne sais pas si c'est toutes les araignées pour, comme ça, mais j'imagine que oui. Fait que c'est ça, c'est les araignées. Alors, la plupart ont 8 yeux. Alors, ça varie, mais la plupart ont 8 yeux. Puis, malgré les 8 yeux, les araignées n'utilisent pas beaucoup la vision. Pour se déplacer dans leur environnement. C'est vraiment multisensoriel, une araignée. Et puis, les poils sont vraiment importants pour détecter les vibrations, hein, détecter une proie qui arrive, détecter une araignée de la même espèce qui arrive, peut-être pour se reproduire. Donc, les poils vont vraiment servir de... comme un peu... c'est ça, comme si tu fermais les yeux, puis du coup, tu utilisais tes mains... tes pieds, t'es vraiment tous tes sens pour te déplacer sans la vision. C'est la même chose pour une araignée. Oui, peut-être aussi comme des moustaches de chat, enfin, pour sentir ce qu'ils sont devant eux et tout ça. OK, alors ça je comprends. Et il y a des araignées qui sont poilues et puis les araignées qui ne sont pas. Enfin, il y a plein de sortes d'araignées qui sont diverses. Physiquement. Oui, mais en fait, c'est quand on les regarde de proche, donc vraiment comme j'ai montré avec une loupe binoculaire, toutes les araignées ont des poils. Même si ils ont l'air toutes lisses, là, les poils ne vont pas être à la même place, il ne va pas avoir la même quantité, ils ne vont pas avoir la même longueur, mais ils ont toutes des poils. D'accord, ok, super. Alors, on a avec nous la famille Plamondon qui sont sur YouTube. Ils sont souvent avec nous, ils ont toujours des super bonnes questions. Et ils demandent, est-ce que les crabes peuvent vous pincer? Quand vous travaillez avec des crabes, est-ce que vous risquez de se faire pincer par des crabes? Ok, alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je n'ai pas encore eu la chance de travailler avec des crabes. Parce que moi, en fait, comme disait Jill au début, ça fait 2 ans que je suis chez Pêche et Océan Canada. Je suis arrivée pendant la pandémie en 2020. Et donc, depuis 2020, depuis que je suis arrivée, il n'y a pas eu de mission scientifique. Je n'ai pas eu la chance d'aller sur le bateau. Par contre, normalement, cet été, je vais sur le bateau et je suis au fait de toutes les mesures de sécurité qu'on utilise sur les bateaux pour faire les missions. Et donc, les personnes qui sont sur les bateaux manipulent beaucoup, beaucoup, beaucoup de crabes. Personne ne se fait pincer au point d'avoir mal. Je pense que étant donné que les gants sont obligatoires, il y a vraiment tout un équipement de sécurité, les bottes à cap, on a toutes des vêtements aussi bien épais, des cirés imperméables bien épais. Donc c'est ça. Donc j'imagine, j'ai très hâte de voir ça en fait. J'ai vraiment vraiment hâte de retourner sur le terrain. J'imagine que ça doit arriver. Mais que ça ne fait jamais mal parce qu'on a toujours le bon équipement de protection. Alors, si nous, on est sur la plage d'été en vacances et on voit une crabe, si on n'a pas de gants, on ne s'approche pas. Non, mais le crabe est autant vous pourriez trouver assez facilement des homards sur la plage parce que les homards se retrouvent à moins grande profondeur que les crabes. Les crabes, normalement, on les retrouve entre 50 mètres de profondeur et 300 mètres de profondeur. Là, c'est vraiment leur habitat à eux. Donc, si vous en trouvez un sur une plage, là, c'est que quelqu'un est allé à la poissonnerie il n'y a pas longtemps. Ou qu'il y a eu une énorme tempête, je ne sais pas, mais ça serait vraiment surprenant. Mais les homards sont vraiment à moins grande profondeur. Ça, c'est on peut en observer plus facilement sur le bord de nos plages, oui. D'accord. Et également avec des pinces. Avec des grosses pinces. Toujours oui. Avec une pince plus grosse que l'autre, oui. Génial. Alors, la classe de Madame Riddell, ils veulent savoir combien y a-t-il de types de différents araignées au Canada? Alors, au Canada, ouais, on retrouve au Canada plus de 1300 espèces d'araignées.
dans le monde, on en découvre tout le temps. Hein. C'est ça qui est fascinant aussi avec les insectes et les araignées. On est à plus de 40 000 dans tout le monde. Donc, c'est ça. Et 1 300 au Canada. Et si je ne me trompe pas, au Québec en particulier, je pense qu'on est à plus de 600. Il y en a pas mal, alors, d'espèces d'araignées. Oui, Oui, ça vraiment fait beaucoup. beaucoup. Vraiment beaucoup. Oui. On a l'habitude. Puis c'est ça, en fait, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point ils sont diversifiés. Tant qu'on a, parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous un peu pareils, tant qu'on les regarde juste avec nos yeux, puis avec une certaine distance, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Puis c'est quand on les regarde avec la loupe binoculaire qu'on se rend compte qu'ils sont différents, puis qu'on se rend compte que c'est magnifique. Wow. Et la classe de Madame Rachel veut savoir, est-ce que les araignées, ils ont des griffes? Est-ce qu'il y a des araignées qui sont griffées? Des araignées qui ont des griffes. En fait, toutes les araignées ont des petites griffes au bout de leurs pattes. Donc, des fois, ça peut être deux, des fois, ça peut être trois, et ça leur sert pas à griffer, comme ça leur sert vraiment à s'agripper et ce soit sur une toile, soit sur la végétation. Fait que c'est vraiment juste pour le mouvement. Donc, oui, ils ont des griffes, mais ça ne sert pas comme moyen de défense, par exemple. D'accord, ok. Et je repasse à la classe de Madame Ouellette qui veut savoir un peu sur les insectes. Et la question sont, les insectes sont-ils amis? Est-ce qu'il y a des insectes qui sont peut-être parfois en conflit, ils Ouais. se battent, ou est-ce que ils vivent ensemble en harmonie? Ah, oh, c'est ça, c'est une excellente question. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de recherches là-dessus. Parce que toutes les espèces, en fait, interagissent. Hein. C'est comme si on imagine les espèces dans un écosystème en particulier, on peut imaginer un grand château de cartes, mais pas un grand château de cartes comme on fait simplement avec juste une tour, mais vraiment imaginer une espèce de grand château de cartes en 3D, là, vraiment épais, là, avec où chaque carte représente une espèce, donc tout est interrelié. Donc il y a des espèces qui se, pas, qui, je veux pas dire qui se nuisent, mais il y a des espèces qui en mangent d'autres. Il y en a qui cèdent, qui s'entraident, mais c'est parce qu'il y a un bénéfice de chaque bord. Il y a des espèces qui avec les individus de la même espèce forment comme quand on peut penser aux fourmis, hein, les grandes grandes fourmis où en chaque individu en fait est là pour le bien d'une communauté, donc vraiment d'une colonie. Et fait que là, est-ce que les insectes sont amis? En fait, je te dirais, ça dépend desquels et ça dépend de quel château de cartes on parle. Donc, c'est ça. Je dirais l'exemple le plus marquant des insectes qui sont amis, c'est probablement les fourmis. Et c'est vrai, c'est un groupe que je connais très peu. Et je vous invite à aller lire là-dessus parce que c'est assez fascinant, toute l'organisation, hein, dans une fourmilière, l'organisation sociale, c'est très, très, très fascinant. Super. Alors, toujours plein de questions sur les araignées. Je pense que les élèves d'aujourd'hui, ils sont vraiment visés sur les araignées. Et moi, j'ai les mêmes questions. Ils posent des questions. Je dis, moi aussi, j'aimerais savoir. Alors, est-ce que toutes les espèces d'araignées font des toiles? Alors, la réponse est non, mais toutes les espèces d'araignées font de la soie. Donc, à la fin de l'abdomen, en fait, d'une araignée, il y a ce qu'on appelle des filières. Et là, c'est par là que la soie sort il y a certaines araignées qui font des toiles avec, donc comme les grandes araignées de la famille des Araneidées. Donc, les grandes toiles qu'on voit, là, les belles, belles grandes toiles. Qu'on appelle orbitales, donc les toiles rondes. Il y a des toiles en forme de tunnel, comme si vous allez voir plus au printemps, vous allez voir des toiles en tunnel dans la pelouse. Là, c'est comme je vous ai montré au début de la présentation, donc les agélénidés qui font ça. Mais il y a des araignées qui font de la soie pour se promener.
donc pour se déplacer. Il y en a qui font de la soie pour lancer comme faire un petit lasso puis attraper des proies avec. Donc, ils ne vont pas faire de toile, mais qui vont faire de la soie pour faire ça, pour avoir une autre technique pour attraper leur nourriture. Fait que toutes les araignées font de la soie, mais ils ne font pas tous des toiles. Ça, c'est une précision importante à savoir. Ça, c'est très bien. Et si, enfin, moi j'ai une question pour moi parce que parfois je vois une araignée, j'aimerais voir de près, mais peut-être un peu pas peur, mais je veux pas lui faire mal. Alors, comment on peut observer les araignées? Qu'on voit dans notre maison, soit dehors, soit dans la nature, pour que tout le monde reste content et qu'on risque pas à fâcher l'araignée ni lui faire mal. Ça, c'est vraiment une bonne question parce que je pense que c'est comme ça qu'on tombe, qu'on voit comment la nature est incroyablement bien faite, puis incroyablement diversifiée. C'est vraiment en observant. Et pour les araignées, je sais qu'il y en a beaucoup qui attrapent les araignées sauteuses que l'on a au Québec, qui les attrapent, puis les mettent dans un petit pot, puis les nourrissent de temps en temps avec des mouches ou avec des mouches à fruits ou avec des moustiques que l'on trouve dans la maison, on peut la nourrir pour la garder vivante, pour pouvoir l'observer. Moi, je vous invite à les laisser tranquilles. S'ils sont dans un coin de votre maison ou de votre jardin où vous pouvez aller voir tous les jours sans la déranger, je dirais que c'est l'idéal. Elle vit sa vie, vous vivez votre vie, puis vous profitez juste de pouvoir l'observer. Moi, dès qu'il y a une araignée à la maison, vous imaginez bien que moi, je la garde. Je la laisse. Les enfants ont appris aussi à les laisser tranquilles parce que si on a des araignées, ça veut dire qu'on va pas avoir autre chose de peut-être plus nuisible aussi dans la maison. Parce que les araignées, ça ne fait pas de dégâts dans une maison, mais il y a peut-être d'autres types d'insectes que oui. Puis, ouais, ça, de juste soit la laisser tranquille, soit l'observer. Il existe des petits plats transparents, vous pouvez les mettre dedans, vous mettez un peu de végétation, vous donnez un peu de nourriture de temps en temps si vous voulez la garder quelques semaines, quelques jours pour pouvoir l'observer. C'est vraiment facile à observer puis à garder vivant, à faire comme un petit animal de compagnie le temps de tomber amoureux des araignées. Très bien. Alors, on a toujours plein, plein, plein de questions, mais on a juste le temps pour une toute petite dernière question Dernière. qui vient de la classe de Madame Riedel, qui est une question très, très importante. Quel est votre insecte préféré? C'est Là qui vous préférez dans votre travail, qui vous fascine le plus? Ben en fait, je dirais que c'est pas un insecte, c'est une araignée, parce que c'est quand même mon groupe préféré. Et mon araignée préférée, elle s'appelle Erigone psychrophylla. Donc c'est un mot en latin, c'est son nom latin parce qu'il n'existe pas de nom en français ou de nom en anglais pour ça. C'est une araignée minuscule, elle fait, je pense, 1 ou 2 mm. On l'a trouvée beaucoup, beaucoup en Arctique. Et en fait, c'est une toute petite araignée, mais en la regardant de proche, là, on voit ce que je vous montrais là avec les palpes des mâles, donc avec des grands pics immenses là, partout sur son corps, le long de son céphalothorax, donc la partie en avant où il y a ses yeux, et vraiment la forme de sa tête, de son corps, là, à chaque fois que j'en voyais une, j'étais complètement émerveillée et c'est devenu mon araignée préférée depuis. Super. Ben, je pense que c'est important d'avoir un préféré, mais je pense aussi qu'avec votre travail, il y en a plein qui sont peut-être la préférée de la journée ou de la semaine. Oui. Enfin, voilà, il y a toujours la place pour tout le monde. Bon. Exactement. Sarah, merci beaucoup pour passer du temps avec nous ce matin. Je sais que nos salles de classe, ils ont été super engagés avec tout plein de questions. Et s'ils ont envie d'apprendre plus sur les araignées ou sur les insectes ou sur les Oui. crabes, je pense que est-ce que vous pouvez nous donner des conseils là où il faut apprendre plus?
Ben en fait, pour les araignées, je vous inviterai à suivre un site internet qui est fait par Pierre Paquin. Donc, quand je vous ai montré au début là, le dessin pour trouver l'espèce, c'est un dessin qui a été fait par Nadine Dupéré et en collaboration avec Pierre Paquin, qui est un grand, grand, grand arachnologiste qu'on a la chance d'avoir ici au Canada, au Québec, et qui a une page Internet qui informe sur les araignées pour le grand public. Donc, beaucoup d'informations sur les araignées du Canada, mais vraiment accessible. On peut lui parler directement. Il est vraiment incroyable. Donc, ça s'appelle scienceinfuse.org, si je ne me trompe pas. Pour les insectes, je vous inviterai à aller à la bibliothèque la plus proche de chez vous. Il y a toujours, toujours, toujours une grande section sur la diversité des insectes, la diversité des araignées, des scorpions. Donc, vous pourrez voir toutes sortes d'invertébrés dans ces livres-là. Et en tout cas, moi, j'adore aller à la bibliothèque avec mes 4 enfants. Donc, c'est toujours un grand coup de cœur d'aller dans ces sections-là. Il y a toujours des livres avec des photos incroyables à disposition. Donc, ouais, je vous inviterai à aller à prendre une petite marche à la bibliothèque à côté de chez vous. Très, très bon conseil. Merci beaucoup. Alors, on se dit au revoir et on se dit à la prochaine. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée.